La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le divise en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvre les yeux à la lumière et celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières, défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse, la mort ravit tout. Sans pudeur, il n'est rien de moins ignoré et, puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie, se plaignait à la mort que, précipitamment, elle le contraignit de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir, au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il. Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante! « Ô déesse cruelle, vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, hey, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux. Trouve-moi 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. » Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie, pour toi l'astre du jour prend des soins superflus, tu regrettes des biens qui ne te touchent plus, je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades, qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement ? Allons, vieillard, et sans réplique, il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir. Voilà-les marcher, voilà-les courir à des morts. Il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le